C'est maintenant. C'est l'heure. Time is time. Ça y est, on est en live. On y est. Bah, si tu te vois. C'est parti. Ah. Bonjour tout le monde. Apparemment, nous sommes en live. On y est. Bah, si tu. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Eh bien, nous allons attendre quelques minutes encore que tout le monde arrive sur ce direct pour vous présenter Flore et faire la petite interview que l'on a organisée avec Flore, qui a failli arrêter l'équitation il y a quelques années de ça et qui va nous raconter un peu son histoire à propos de ça. Donc, il y a déjà 11 personnes. Donc, bienvenue tout le monde. Je ne vois pas vraiment qui arrive. Donc, je suppose que si vous arrivez, est-ce que vous pouvez nous mettre des petits commentaires pour voir comment on va pouvoir communiquer? C'est la première fois, moi, que je partage avec le Zoom sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. On va faire un test, je vais mettre en commentaire. Ouais, je veux bien. Voir si ça fonctionne. Voilà, il y a 17 personnes. Bonjour tout le monde. Donc. Ah, ça va faire écho. Voilà. Ah, coucou. Il y a Alexandra qui dit coucou. Ok, donc on va voir les commentaires à cet endroit-là. Très bien. Très bien, très bien. Allez, on commence dans une minute. On va essayer de commencer vraiment à l'heure pour pas que ce soit trop long le démarrage. Et voilà. Donc, on va présenter Flore. Ok, donc j'ai les questions un petit peu en retard. Donc, pendant l'interview, n'hésitez pas à poser vos questions pendant que Flore fera sa présentation. On répondra aussi à vos questions, hein, bien sûr. Même si elles sont un peu décalées, on répondra à toutes vos questions. Bon, eh bien, il est 18h, donc go. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents. Vous êtes assez nombreux là dans la salle, c'est sympa. Donc, bon, avec l'italien, je vais passer assez vite dessus puisque vous êtes sur la page et que vous devez nous connaître. Donc, voilà, Equitalliance maintenant fait de la formation en comportement équin, hein, qui allie la relation et le binôme cavalier-cheval voilà, pour tout cavalier, cavalier amateur et cavalier professionnel aussi de plus en plus. Hein, on monte une formation professionnelle là, qui démarre en début d'année prochaine. Donc, voilà, avec une approche assez innovante qui est basée sur les soins énergétiques, la gestion des comportements déviants, hein, la déprogrammation des stress aussi du cavalier et du cheval et l'entraînement clicker training pour tout ce qui est gestion des comportements déviants en renforcement positif. Voilà. Donc, on a Flore qui est là parce que Flore est une ancienne élève. Elle va nous raconter un petit peu son histoire. Elle fait des accompagnements aujourd'hui, débourrage. Elle fait des débourrages sur toute la France et elle fait des accompagnements individuels dans la région de Tours, la Bretagne, le Mans, Saumur, donc dans toute cette partie de la France. Donc voilà, vous allez la découvrir un petit peu plus. Flore est aussi formatrice pour Equitalliance puisqu'elle s'occupe du module débourrage, qui est un module qui se passe chez Nathalie Michel aux écuries de la Recorne en Bourgogne avec des poulains, des pur sang réformés, des pur sang arabes, c'est ça, hein, Flore? Des pur sang arabes qui sont voués à faire de l'endurance à haut niveau. Voilà, ok. Donc, ben Flore, c'est à toi. Moi, je suis assez curieuse que tu nous racontes un peu ton histoire avant de reprendre l'équitation. Hein. Je sais que c'est en Australie, je crois, que tu as repris. Donc,
Ben voilà, raconte-nous ça. Après, je te continuerai mes questionnements sur ta petite interview. Ok. Alors, ben moi, je suis enseignante d'équitation depuis un peu plus de 10 ans. Donc déjà, pendant le monitorat, ça a été une année très intéressante, enrichissante, mais aussi très difficile pour moi. Voilà, parce qu'on utilise des méthodes très classiques qui ne me convenaient pas forcément. Donc voilà, j'ai arrêté le milieu du cheval. Alors, suite au monitorat, j'ai quand même travaillé. J'étais enseignante pendant 2 ans dans des centres équestres. J'étais gérante aussi d'une structure. J'ai eu un gros accident à cheval qui a fait que, ben, force c'était, j'ai dû arrêter l'équitation. Là, ça a été une très, très grosse remise en question parce que, ayant baigné dans ce domaine depuis tout le temps, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. Donc, les médecins m'ont dit, vous ne remonterez plus à cheval. Et à ce moment-là, ça a été un peu le cataclysme à l'intérieur. Donc, ben, il a fallu le temps de se reconstruire. Et une fois que j'ai pu ben, rebouger, refaire des choses, j'avais mon permis poids lourd. Donc, je suis devenue chauffeur routier. M'a permis de payer mes factures, de mettre des sous de côté et de réaliser un rêve que, voilà, dans le but de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était de faire le tour du monde. D'accord. Donc, voilà, j'ai été chauffeur pendant 1 an et demi à peu près. Alors, j'ai aussi transporté des chevaux, hein, parce que quand on est du milieu, on trouve du boulot. C'est un milieu qui est, voilà, qui est assez petit, donc on trouve quand même du travail comme ça. Donc, suite à ça, une fois que j'ai eu assez de sous de côté, je suis partie en Australie un peu à l'aveugle et mon tour du monde s'est arrêté là-bas. J'y suis restée pendant 2 ans, j'ai travaillé là-bas et pareil, en cherchant du boulot, je ne cherchais pas du tout dans le milieu du cheval, mais quand on m'a demandé ce que je savais faire, bah, à part monter à cheval, pas grand-chose. Donc, j'ai rencontré des personnes passionnées et passionnantes dans le milieu qui m'ont fait découvrir une approche que je ne connaissais pas du cheval. Donc essentiellement, là, je pense aux personnes chez qui j'ai travaillé dans des cattle stations, qui sont des ranchs en fait. Donc le but, c'est d'élever du bétail et de le rassembler à cheval. Alors bon, c'était un peu moderne, hein. Il y avait l'hélicoptère, les quads, mais essentiellement les chevaux dans certains endroits où on n'avait pas accès avec les quads. Et là, j'ai découvert une manière d'éduquer les chevaux vraiment différente. C'est des chevaux qui, pendant 6 mois de l'année, avaient une vie de cheval en troupeau. L'humain interagissait très peu avec eux, sauf s'il y avait des blessures ou éventuellement pour supplémenter en aliments. Et les 6 autres mois de l'année, c'était des chevaux avec lesquels on passait tout notre temps. On passait 10 heures par jour en selle, sauf les jours où on s'occupait du bétail, où là, eux étaient en repos, et sur des surfaces énormes, sans barrière, sans clôture. Donc, il nous fallait des chevaux sur lesquels on pouvait compter. Des chevaux sûrs, voilà, si on descendait pour aller voir un veau, une vache, il fallait que le cheval reste là. Il fallait des chevaux qui soient motivés, parce qu'après 10 heures en selle sous 40 degrés, ben, il faut de la motivation autant du côté du cavalier que du cheval. Donc voilà, donc des chevaux élevés et éduqués pour être proches de l'homme, mais en même temps des chevaux dans le sang qui soient réactifs. Voilà, donc là j'ai appris beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont fait confiance assez rapidement. Donc, j'ai pu bah, continuer les débourrages, apprendre d'autres techniques, parce que je débourrais jusque-là en classique. Voilà, après, je ne vais pas Ça trop doit être étaler, c'est passionnant un tout peu ça. long. Ah, Pas l'été. du coup, tu es rentrée en France après, au bout de ces 2 ans? Alors, au bout de ces 2 ans, j'avais une possibilité de rester là-bas sur un contrat. Donc, j'ai un peu hésité. Je me suis dit, il manque quand même des outils pour pouvoir bah, faire mon métier d'enseignante d'équitation et pouvoir transmettre ce que j'ai vécu ici et le ramener en France. Donc, j'ai décidé de faire une école de naturopathie humaine pour apprendre un peu plus le fonctionnement de l'humain, plus que le cheval. Donc, à ce moment-là, bah, c'était compliqué de le faire en Australie. Donc, je suis rentrée en France au bout de 2 ans pour faire ces études-là. Donc, c'était 1 an à temps plein. Donc, 1 an assez intensif après 2 ans de voyage, se retrouver enfermée dans une classe de cours, c'était coton. Il fallait être motivée à avoir un objectif. OK. Voilà, donc ça s'est assez bien passé, j'ai fait ça. Et suite à ça, je me suis mise à mon compte. Et à ce moment-là, il me manquait encore des clés. Et c'est là que j'ai rencontré Coralie, qui m'a présenté sa formation. Et je me suis dit, mais en fait, sa formation, c'est le ciment entre tous les outils que j'ai, plus éventuellement ce qui me manque comme outil. Donc, bah, ni une ni deux, la formation était déjà commencée, mais je me suis inscrite, j'ai rattrapé le train en marche. Donc, j'ai passé 1 an, c'était il y a 2 ans déjà, je ne sais plus, le temps passe trop vite. Je sais Voilà. plus, il y a bien en 2018, je pense, tu as fait la formation. C'était juste après la Naturo, donc ça doit être ça, oui, 2018. OK.
Voilà pour. Et du coup, donc tu as le diplôme, voilà, depuis 2018. Et quelle est ta spécialité après le diplôme? Parce que c'est vrai que cette formation de comportementaliste équin, la FLCE, elle amène les élèves, et c'est ce que je dis au départ, elle amène les élèves vers, suivant qui elles sont, en fait, elle les amène dans des spécialités. Et tout le monde ne va pas faire la même chose en sortant de la formation. Donc toi, Flore, raconte-nous, comment tu t'es spécialisée et qu'est-ce que tu as créé après la formation? Alors, étant donné qu'en Australie, j'avais été pas mal au contact des jeunes chevaux et de leur éducation, et que j'avais déjà fait pas mal de débourrages, j'avais des souvenirs de débourrages ratés. Alors, quand je dis ratés, c'était des débourrages en classique où on n'avait pas des clés. Moi, je n'avais pas les clés à l'époque pour mener le débourrage à bien. Alors, ça faisait des chevaux débourrés qui pouvaient être montés, mais que par des pros et qui n'étaient jamais sûrs. Donc ça, ben, j'en voulais plus, je voulais trouver une solution. Donc je me suis spécialisée dans l'éducation des poulains et donc, ce qu'on appelle le débourrage. J'aime pas trop ce terme-là, donc je préfère dire éducation des poulains. Donc la valorisation des jeunes chevaux et l'accompagnement des binômes cavaliers jeunes chevaux, et ainsi que la formation au débourrage dans ta formation, du coup, Coralie. D'accord. Pardon, je t'écoute. Non, non, mais bon, ouais, super. Oui, c'est donc c'est ta spécialité, mais tu fais aussi des accompagnements à côté? Tout à fait. Alors, en parallèle de ça, je continue les cours d'équitation. Je fais des remplacements dans des structures équestres, sachant que je choisis un peu les structures équestres pour lesquelles je travaille, pour pouvoir apporter un petit peu ma vision des choses. Je fais aussi des cours d'équitation, alors, éthologique, on appellerait ça, mais c'est plus du renforcement positif, donc avec tous les outils que j'ai pu apprendre dans ta formation. Et j'accompagne aussi des binômes pour des résolutions de problématiques et puis les aider à atteindre leurs objectifs. Par exemple, ce matin, je suis allée rencontrer une équithérapeute qui est dans ma région et qui a un petit souci avec un cheval, voilà, qui s'est mis à avoir une phobie des vaches, ce qui est un petit peu embêtant parce que c'est la structure où elle accueille ses séances, en fait, où elle fait ses séances, et entourée de vaches. Donc, D'accord. on a fait une première séance avec en instant sur les soins énergétiques, en faisant une com animale. Et déjà, au bout d'une heure de séance, le cheval était un peu plus posé. Alors, ça va mettre du temps. On a défini ensemble un plan de travail pour pouvoir arriver du coup à l'objectif qui va être bah, de pouvoir avoir un cheval serein qui lui fait confiance à elle et qu'elle puisse confier lors de ses séances. D'accord, ben oui, super. Et du coup, comment tu travailles exactement? Est-ce que tu peux un peu expliquer, toi, ta manière, tu t'es approprié? Je ne sais pas si on a bien appuyé sur le fait que tu es BPJEPS, hein, aussi. Comment tu t'es approprié le travail et comment est-ce que tu travailles avec tes poulains et tes élèves? Alors, donc, ben, je m'adapte à la demande de mes clients parce qu'elle est toujours différente, aux chevaux que je rends face aussi. Et je commence toujours mes séances. Alors, ça commence un petit peu au téléphone lors du premier contact, mais après, sur place, je le fais aussi un peu plus précis. Donc, je fais une anamnèse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, une anamnèse, c'est aller bah, voir comment vit le cheval, comment vit le cavalier, d'où il vient, ce qu'il a fait, comment il en est arrivé à cette problématique-là, comment le binôme en est arrivé à cette problématique-là, et aller faire un petit peu inspecteur, voilà, aller essayer de démêler la situation, aller voir côté santé du cheval, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait être dénoué au niveau du matériel. Voilà, il y a plein de cases à cocher, entre guillemets, pour essayer de comprendre la problématique et essayer d'aller la résoudre derrière. Donc, ensuite, j'ai deux principes, enfin deux principes, en fonction de ma clientèle. Je travaille dans les débourrages pour des éleveurs de chevaux. Donc là, actuellement, je travaille avec trois élevages, deux de chevaux d'endurance et un de cheval de CSO, de chevaux de CSO, pardon. Donc avec les éleveurs, je travaille les poulains soit directement à l'élevage, soit en pension sur ma structure, je les accueille. Donc lorsque je rends le poulain à l'éleveur, si c'est possible, donc parfois par manque de temps, ils ne peuvent pas. Je fais monter l'éleveur ou le cavalier de l'élevage pour leur présenter le poulain et leur donner finalement un mode d'emploi de leur poulain et pour m'assurer moi que tout se passe bien avec une autre personne que moi. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, je laisse un compte-rendu écrit de mon travail. Comme ça, s'il y a des questions, voilà, il y a ce qui a été fait en détail.
Et avec les particuliers, c'est un petit peu différent parce que, alors moi, j'aime bien quand comment dire, ils interviennent dans le débourrage, qu'ils prennent part du débourrage de leur poulain parce que ben, c'est leur futur cheval. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Quand c'est possible, ben, soit je vais à domicile chez eux, les accompagner dans les séances de débourrage. Donc finalement, c'est eux qui débourrent leurs chevaux avec mon aide, bien sûr. Et je suis là aussi pour intervenir s'il y a quoi que ce soit, si à un moment ça devient trop compliqué pour la personne en fonction du niveau qu'elle a. Et D'accord. pareil, je ne les laisse pas partir sans qu'ils montent leurs chevaux, sans que je les voie monter, sans que je les accompagne en carrière, en extérieur, pour être sûr que tout se passe bien et que la connexion soit bien faite entre le cheval et le cavalier. Oui. Et d'ailleurs, je pense que... Ah, pardon, tu Vas-y. m'entends? Oui. C'est complètement décalé, ça fait vraiment bizarre. J'ai vu une superbe vidéo de toi, je crois que c'est sur ta page. Facebook où on te voit avec le propriétaire de Hardy Petit qu'on Oui. avait vu avec d'autres groupes. C'était avant que je te passe la formation, on l'avait vu tout bébé. Je me Tout rappelle, il à y fait. avait Céline Audouin qui lui avait fait une com. Ça avait été. Il revient de loin ce poulain-là. Et il y a une belle vidéo d'un petit alezan qui s'appelle Hardy Petit sur ta page Facebook. Je vous invite à aller voir. La page de Flore après le live, mais c'est vraiment vraiment sympa. On voit bien les commandements que tu as mis, que le propriétaire refait et qu'il fonctionne très très bien. Vous avez, c'est un cheval qui a été. Il a eu la chance, je pense, d'avoir l'éleveuse qu'il a et le propriétaire qu'il a, qui ont pu réagir comme il faut. C'est un cheval qui avait été rejeté par sa mère à la naissance. Oui. Elle ne le laissait pas téter, enfin, ça avait été très compliqué pour lui. Du coup, Ouais. ça avait fait un petit cheval avec beaucoup de caractère, qui n'avait pas de cadre et qui ne savait pas comment interagir. Alors, avec les autres chevaux, il avait fini par apprendre, mais avec l'humain, il était un petit peu envahissant, un petit peu mordeur. Du coup, pour moi, c'est un cheval super intéressant à débourrer parce qu'avec lui, il fallait vraiment que je sois centrée à chaque fois que j'allais faire ma séance. Si c'était un jour où je pensais à mes factures, à mon prochain client, c'était foutu, hein. Je faisais rien avec lui, je pouvais repartir et revenir dans 5 minutes. Donc, c'était un Okay. cheval super et donc, ce qui a été un peu plus compliqué, ça a été la passation du coup à son propriétaire parce que bah, il a fait la même chose. Donc, il a fallu que j'explique à son propriétaire comment se centrer. Et comment essayer de ressentir comment lui il sent pour pouvoir transmettre un état de calme et de bien-être à son cheval pour qu'il fonctionne correctement tous les deux. Très bien. J'ai envie, en même temps qu'on continue de parler, d'aller faire un petit partage d'écran sur ta page. Tu Oui, permets? avec plaisir, Allez, bien on sûr. improvise. C'est parti. Du coup, justement, eh ben, je voulais te demander de nous donner des exemples. Est-ce que tu as d'autres exemples? Est-ce que tu as d'autres exemples de chevaux que tu as travaillés ou d'accompagnement que tu as fait? Alors, j'ai l'exemple d'un cheval que j'ai eu au débourrage en Australie. Alors, lui, ça a été mon plus gros challenge. Donc, c'était il y a déjà 1 an. Le temps passe vite. Donc, c'était un cheval qui vivait en troupeau en liberté, qui avait 4 ans, qui avait vu l'homme. Alors, il le voyait de loin, mais qui avait interagi avec l'homme seulement à ses 3 ans pour la castration. Donc, autant vous dire qu'il n'avait pas un très bon souvenir de l'humain. Donc bah, déjà pour le rentrer dans les écuries, on a dû bah, pousser tout le troupeau et faire du tri pour enlever les copains. J'ai réussi à garder, j'avais 2 autres chevaux à ce moment-là au débourrage, donc j'ai pu les mettre tous les 3 ensemble. Ils se connaissaient bien. Est-ce Donc, que tu vois défiler là? C'est lequel qu'on puisse mettre l'image en même temps? alors, on va pas, c'était il y a 1 an, on ne va pas retrouver Ah, il s'appelait d'accord. Valier. Alors si tu remontes loin, tu vas pouvoir, mais c'était il y a longtemps. Par contre, si tu remontes, on va trouver Hardy, celui dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est pas lui là? Ah, attends, je zoome Débourrage sur la après. page. Ouais. Je suis un trop petit. Hardy Petit, voilà. Voilà, tout à Je vais fait. mettre la vidéo. Voilà, c'est cette vidéo que j'ai trouvée super. Sais pas si vous voyez bien. Ah, on n'a pas le son. Mais là, tu lui dis, allez! Il passe sous les banderoles et tout, c'est excellent. Là, ben, c'était la première fois que son propriétaire montait dessus. C'était même pas en fin de débourrage, ça. Il me restait encore quelques séances à lui faire. Il était monté au pas et au trot à ce moment-là. Donc, son propriétaire l'a monté ce jour-là et moi, la semaine qui suivait.
Je suis allée en extérieur, j'ai fait son premier galop. Bah, du coup, je n'avais pas de leader, donc je l'ai fait seule. Ça s'est très bien passé. Et la semaine suivante, son propriétaire a pu le monter en extérieur. D'accord. Et c'était Bah, bravo, parce que génial à voir. Ça, c'est mon moment préféré dans les débourrages. Quand j'ai le propriétaire à le sourire jusque-là sur son cheval. ouais. Bah, c'est super parce qu'il revient vraiment de loin, lui. Céline, si tu vois ce live, il faudra que tu le vois parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même chouette. Alors voilà, je ne sais pas, j'essaye de revenir. Tu vas y arriver. Moi et la technologie. Donc voilà. Bon, ben, sinon, on peut continuer comme ça parce qu'on nous voit quand même. Tout à fait. Voilà. Alors, dis-nous. Bon, je vais revenir sur ma page, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, tu nous as donné pas mal d'exemples. On a vu un petit peu ton parcours, ton histoire. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu peux nous dire comment, c'est un peu une question indiscrète, mais comment tu t'en sors financièrement, du coup, depuis que tu t'es installée? Ça fait combien de temps Alors, que tu t'es installée, du coup? donc ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Enfin, ça fera 2 ans en janvier. Et c'est pas du tout une question D'accord. indiscrète, c'est une question que tout le monde se pose, je pense. Ah Donc, oui, comment je m'en j'imagine, sors oui. financièrement? Bah, de mieux en mieux. Donc, bah, être à son compte, c'est pas seulement être un bon technicien praticien. Il faut aussi avoir des compétences en gestion, en organisation, en relations clientèle, en comptabilité, marketing, tout ça. Donc ça, bah, j'ai appris sur le tas. Voilà. Puis la réputation. Pardon? Pardon, je coupe. Tu as appris aussi un petit peu avec Julien Jaco, Feeling Jack, Alors, qui intervient j'ai. pendant la formation. Alors, tout à... il Un n'intervenait pas encore, nous, quand on a fait la formation, ans à mais par contre, l'époque. j'ai fait appel à lui pour la création de mon site internet. Comme j'ai changé de région et que je n'avais aucun réseau pro et perso dans ma nouvelle région, bah, il a fallu que je mise sur la visibilité, donc mon site internet, un affichage, me présenter dans les écuries. Et j'ai fait appel à Julien pour donc, la société Feeling Jack pour créer mon site internet, donc qui est en ligne maintenant depuis un peu moins d'un an. Le temps passe trop vite, je n'ai pas la notion du temps. Et ça m'a permis, en parallèle de ma page Facebook, ça m'a permis bah, faire savoir aux gens que j'étais dans la région. Et j'ai eu quelques clients par mon site. Pas encore énormément, mais il y en a pas mal. D'accord. Ok, bah super. On mettra d'ailleurs ton site dans les commentaires à la fin pour que vous puissiez aller voir le site de Flore qui est equinaflore.com, si je me Tout à souviens bien. fait, c'est Voilà. ça. Ok, très bien. Bon, bah merci. Laure, où est-ce qu'on peut te retrouver à part sur ton site internet? Alors, à part sur mon site internet, sur ma page Facebook, parce que je me force à publier souvent pour que vous puissiez être au courant de mes activités. Ensuite, ben, comme Coralie vous l'a dit en début de live, moi, je suis située à Tours, installée à Tours. Donc, j'ai ma structure sur laquelle je peux accueillir des débourrages. Les prochaines places seront à partir de mars prochain. Je me déplace dans toute la France et même à l'étranger, parce que dès que ce sera possible, je retournerai en Australie pour ce qui est des bourrages. Par contre, pour tout ce qui est accompagnement, je reste dans la région nord-ouest. Donc, j'interviens sur Tours, Saumur. Ce matin, j'étais au Mans pour aller voir une cliente. En Bretagne aussi, j'ai de la clientèle. Voilà, après je renvoie vers mes collègues qui sont un peu plus bas que Tours. Oui, voilà, j'interviens sur ces secteurs-là. Et j'interviens aussi sur toute la France pour ce qui est remplacement moniteur d'équitation sur des durées un peu plus longues qu'une semaine, lorsqu'il y a besoin. D'accord, super. Bon, merci beaucoup, Flore. Merci à toi. Et quitte alliance, ben, nous, on vous prépare des petites surprises avant la fin de l'année, là. Déjà, la semaine prochaine, il y a une surprise pour vous par rapport aux élèves. En fait, ça concerne beaucoup de nos élèves. Donc voilà, c'est un petit indice pour vous faire patienter jusqu'à mardi. On vous en donnera d'autres dans le week-end. Et voilà, toujours plein de nouveautés avec Equitalence. On se remet toujours en question, on améliore toujours les formations. Et puis voilà, on prépare aussi, comme je vous l'ai dit, une formation pour les professionnels qui démarrera en février ou mars. Et à ce propos, voilà, plein de petites surprises, enfin des grosses surprises même,
avant la fin de l'année. Donc, continuez de nous suivre. Merci à tous d'être là. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et puis, on n'a pas, il n'y a pas eu de questions. Donc, effectivement, hein, si jamais avant qu'on parte, il y a des petites questions, dites-nous. Mais sinon, vous pouvez aller directement sur la page de Flore ou sur la mienne pour nous poser des questions. Alors moi, je vois qu'il y a des commentaires, mais j'y ai pas accès. Oui, non, il n'y a pas de questions. Ça y est, je les vois. C'est des bonjours. Bonjour à tous. Il y a des commentaires. Alors, Sève-Marie dit merci de ton intervention très enrichissante, Flore. Ben avec Et grand Isabelle, plaisir. questions formation, sont-elles éligibles au CPF? Bientôt, bientôt, on est en train de faire le dossier au RNCP. Alors là, je vois une question de Julie Cesse qui demande est-ce que tu arrives à faire des séances regroupées pour un débourrage, surtout quand tu le fais loin de chez toi? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Quand je le fais loin de chez moi, je regroupe les débourrages pour en avoir plusieurs dans le même secteur. Ce qui me permet de rester sur place 3 semaines, plus si besoin, sachant que le temps d'un débourrage, je ne peux pas le prévoir à l'avance, ce sera en fonction de la réaction du poulain et de l'investissement, pardon, que met le propriétaire en débourrage de son poulain. Ok, Voilà, j'espère que ça répond à j'espère la que. Est-ce question. que ça répond à votre question, si la personne est toujours là? Ok, bon, on voit pas, c'est un peu en décalé, hein. Et Et puis, oui. alors, je suis en train de mettre un message aussi aux anciennes élèves, hein, qui sont là. Il y en a plein. Il y a Caroline, il y a Émilie. On vous attend. Je vous attends pour faire des lives, comme vient de faire Flore, hein. Je vais faire à la demande. Il y aura Carole Andris au mois de janvier. Au mois de décembre, j'ai un trou, je me rappelle plus, mais il y aura Je crois que quelqu'un c'est d'autre. Madeleine en décembre. Madeleine Ah qui oui, est dans c'est la région ça. de Montpellier. Madeleine qui est En vers plus, elle est Perpignan. Perpignan. Voilà. Et Carole Andris qui est dans la Loire. Donc, à tout bientôt. Et là, comment on arrête? Et voilà, maintenant il faut arrêter le live. Je vais y arriver. Oui, Voilà, tu vas y j'ai arriver. arrêté le partage d'écran et je vais arrêter le live.